qu'est-ce qu'on peut faire avec des bouteilles en plastique? Alors, on s'est mis ensemble, on a discuté, on a décidé qu'avec ces bouteilles en plastique, on pourrait les transformer en sculptures environnementales. Il y a plusieurs buts. Un but, c'est de créer un objet grand, impressionnant, qui a une présence la nuit, parce qu'il y a un grand feu qui va sortir du haut de cette structure, et qui a une présence dans la journée avec le vent, parce que le vent, ça va bouger les bouteilles aussi, et avec le soleil, les changements de lumière. Un autre but, c'est d'avoir un dialogue avec le public par rapport à tout ça, pour qu'ils aient leur propre voix dans un espace public aussi. Nous invitons des gens qui circulent dans le parc. On les invite à écrire sur des morceaux de papier. Et ces écritures-là, ça concerne l'environnement. Et ça concerne leurs espoirs pour l'avenir de l'environnement. Ils vont prendre le message qu'elle écrit et vont l'insérer dans une bouteille, puis ils vont poser la bouteille dans la sculpture même. Un peu comme si on accroche quelque chose sur un arbre. Les jeunes, ils travaillent avec des matériaux récupérés et puis ça donne comme une prise de conscience par rapport à tous les matériaux qu'on jette tous les jours, qu'on utilise sans penser, on jette dans la poubelle. Ces choses-là qu'on considère la poubelle peuvent devenir quelque chose d'assez agréable et de joli et d'étonnant et d'inattendu. Ça va être très visible, c'est une des plus grandes structures dans tout le parc. Une place centrale qui est à la fois physique, tactile, mais aussi métaphorique et un peu poétique. J'aimerais que cette œuvre apporte une sensibilisation envers la fragilité de l'environnement, qu'il y a d'autres possibilités pour l'avenir et on doit prendre conscience et être plus responsable.